Hello la famille, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle astuce de comment fumer le poulet. Alors c'est parti pour la recette. Nous aurons besoin d'un poulet doux ou dur, ça dépend de vous. Moi j'ai pris du poulet dur, du poulet fermier si vous voulez. Donc je vais le saler. Je vais y rajouter de l'ail et l'oignon en poudre pour donner un peu plus de goût au poulet. Rajoutez un peu d'épices de poulet. Ceci est facultatif. Vous pouvez ou ne pas. Vous pouvez juste opter pour du sel. Mais moi, je rajoute tout ceci pour donner un peu plus de goût au poulet. Une fois que j'ai bien badigeonné les épices sur le poulet, je vais le mettre de côté et passer à une petite sauce à base de sauce de soja et de miel. Cette sauce de soja permettra au poulet d'avoir une belle couleur. À défaut de la sauce de soja et de miel, donc vous pouvez utiliser du paprika à la place. Versez la sauce de soja sur le poulet et ensuite les mettre dans une casserole. Cette méthode est très facile, mais si vous voulez, vous pouvez opter pour fumer du poulet au four. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vais donc mettre ma casserole au feu pendant au moins 15 minutes et le retourner de temps à autre. Ça sent très bon, je vous assure. Alors, je vais laisser encore mijoter pendant 15 minutes. De l'autre côté, je vais prendre une casserole dont je vais protéger le fond. Je vous en prie, protégez le fond de votre casserole. Je n'aimerais pas que vous puissiez l'abîmer. Alors, je vais rajouter du riz et ensuite des sachets de thé. Je n'ai pas quantifié, mais vous pouvez en mettre 10 si vous pouvez. Et je vais rajouter du sucre. Ceci nous servira de fumée qui va produire de la fumée qui va permettre au poulet d'avoir une belle teinte. J'ai dû changer de casserole, alors tout au fond de ma casserole, je vais déposer un moule en cuir que j'ai protégé de papier alu et je vais poser une grille dessus. Déposer les poulets sur la grille. Et ensuite, je vais recouvrir de papier crissé. Le papier évitera à la fumée de s'échapper et occasionnera la coloration et la cuisson du poulet. Nous allons mettre au feu pendant 15 minutes ou 20 minutes à feu moyen. Après 15 minutes, faites échapper la vapeur et retournez le poulet. Petit à petit, on remarque que le poulet ou les poulets sont en train de se dorer. Donc voilà, je vais retourner et recouvrir par après, laisser encore pendant 20 minutes. Si vous me suivez jusqu'ici et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Après 20 minutes, pour moi le temps est écroulé. Voilà, la coloration elle est juste parfaite. Mon poulet est bien prêt ou mes poulets sont prêts. Si vous voulez plus de coloration, vous pouvez accorder encore 20 à 15 minutes. Et voilà, vous avez l'astuce rapide, facile et simple à réaliser. Plus besoin d'acheter du poulet fumé commercialisé. Faites votre homemade poulet fumé. C'est juste parfait. Vous savez ce que vous mettez dedans, vous savez ce que vous mettez dans le ventre. So, I hope this will be helpful to you and thanks for watching. Bye bye.